Yo les gars, sur Pax, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc je vais tout simplement vous faire le tuto Duel Flip. Donc j'ai vu beaucoup de tutos de la part de youtubeurs francophones ou même anglais qui expliquent en fait cette version Duel Flip, donc tout simplement celle-ci. Et en fait, j'ai tout simplement trouvé une autre technique pour la faire, mais beaucoup plus rapidement. Donc ce serait comme ça. Donc vous voyez, c'est quand même plus simple et plus rapide. Et je vais juste vous montrer comment le faire. Donc en gros, hop, on va se mettre comme ça, ce sera plus simple. Qu'en fait, le flip standard, donc que tous les youtubeurs montrent, vous faites juste un all flip comme ça. Et après, vous tournez avec un tonneau aérien. Donc pour ceux qui voudraient faire cette version-là, je vous explique juste vite fait comment on fait. Vous faites juste vous allez juste cancel votre jump. Donc vous allez faire comme un backflip, sauf que arrivé à ce stade, vous allez mettre le joystick qui vous sert à diriger votre voiture vers l'avant. Donc ça va donner hop, comme ça, ça va bloquer votre voiture en fait. Et une fois que vous êtes dans cette position, vous avez juste à faire un tonneau. Ça va juste vous faire tourner et vous faire un demi-tour assez rapidement. Maintenant moi, la technique que j'utilise, elle est un petit peu plus simple, ouais. Vous allez juste faire un salto arrière, mais en diagonale. Donc, juste comme ça. Vous voyez, vous faites juste un salto arrière en diagonale. Une fois que j'ai fait mon backflip en diagonale, je vais tout simplement remonter mon joystick vers le haut quand ma voiture est à l'envers. Donc, juste comme ça, joystick vers le haut. Voilà. Comme ça, joystick vers le haut. Et en fait, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça puisque c'est... Par exemple, vous êtes dans une situation comme ça, vous pouvez le faire de tous les côtés, hein, vraiment. Droite, là je ne peux le faire à droite par exemple. Après voilà, la seule difficulté c'est des fois si vous allez dash sur le côté comme ça. C'est juste la chose un petit peu gênante, mais bon. C'est de l'entraînement, après vous faites juste hop. En fait c'est beaucoup plus rapide que de faire ça comme ça et hop. Il y a juste hop comme ça à faire et c'est vraiment beaucoup plus simple, je trouve. Après on m'a souvent demandé aussi de faire un tuto wall drag, air drag. Ça je pense que je vous ferai un tuto par la suite, mais c'est vraiment pas ma priorité. Pour ceux qui savent pas, le wall drag c'est ça, quand vous faites comme ça et vous juste vous marquez tout simplement. Là, voilà, je vais juste arrêter la balle. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter cette nouvelle version du Duel Flip, hein. Ah oui, et juste un dernier truc, je fais plus de vidéos en ce moment parce que je suis passé sur PC et j'ai pas une qualité vraiment optimale pour faire des vidéos. Donc je voulais savoir, je vais vous mettre un petit extrait vidéo de comment ça rend sur PC en record. Et je vais tout simplement vous demander votre avis si vous voulez quand même que je tourne des vidéos sur PC parce que j'ai plus la motivation de jouer sur PS4, en fait c'est beaucoup moins fluide que le PC. Et voilà, c'est juste pour vous demander votre avis si vous voulez quand même que je fasse des vidéos avec cette qualité là. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire et puis je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss. I piddle in my fantasies and damn it be the ones that you love the most and trust that be showing you the truth when they lying. It's enough that I told them I refuse.